Attention, attention, peuple de Dieu. Il y a des faux profils que les gens ont créés. Ils avaient déjà créé des faux profils avant, on les a signalés. Ils continuent de créer. Et dans ces jours, il y a un certain Honoré. Honoré, c'est pas quoi, quelque chose, ni. Qui est en train de contacter chacun de vous, disant que c'est moi. La personne a mis ma photo. Et il demande des choses à chacun de vous. Et en bas, il a écrit, envoyez vos sujets de prière à Réseau International Richesse avec un numéro du Maroc. Vous savez très bien que nous, on est en France ici. Et vous connaissez notre numéro de téléphone. Et puis, il suffit seulement que quelqu'un mette ma photo sur une page et certains parmi vous ont accepté la personne et commencent à discuter avec la personne. Mais tu connais notre page. Cette page-là, tu sais que ce n'est pas nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mis la photo de Mme Seka seulement que ça veut dire que c'est elle. Je vais vous donner un signe. Un signe qui va vous aider. Notre page Réseau International Richesse, on ne contacte jamais. Ça dit qu'on ne va pas vous envoyer un message pour dire que, hey, voilà, venez nous soutenir, venez, on ne contacte pas. Moi, j'annonce toujours dans les vidéos et je vous dis, vous, contactez-nous. Ce sera le signe. Si tu vois qu'on t'a répondu, c'est parce que toi, tu nous as écrit, donc on te répond. Mais pour dire que nous-mêmes, on est là comme ça, puis à partir de notre page, on vous contacte pour dire, ah, envoyez-nous les sujets de prière ou bien envoyez-nous les offrandes. Nous, on ne contacte pas par nos pages. Le réseau international, il ne va pas se lever comme ça pour rien, pour vous écrire à inbox pour dire que oui, envoyez-nous des offrandes. C'est ça le signe. Moi, j'annonce toujours à visage découvert dans les vidéos. Donc, ça doit être le signe. Quand on doit faire offrande là, j'annonce dans les vidéos. Je n'écris pas inbox à chacun de vous pour vous dire envoyez vos sujets de prière, envoyez vos offrandes. Donc, si quelqu'un vous écrit inbox pour rien, vous n'avez pas écrit à réseau. Parce que c'est quand vous écrivez là, on vous répond. Si tu vois qu'on t'a répondu, c'est parce que tu nous as écrit. Même si automatiquement on ne répond pas, on va répondre après. Mais tu ne nous as pas écrit. Tu ne nous as jamais écrit. Et puis un coup comme ça, on t'envoie un message et ce n'est pas réseau. C'est un autre nom. Ce n'est pas nous. Parce que beaucoup se font avoir. Je ne comprends pas. Tu sais que Facebook a beaucoup de faux. Il suffit seulement que tu vois ma photo. Ah, c'est moi, c'est ça. Mais tu vois que le nom là, ce n'est pas ça. Et même si la personne a écrit réseau là, toi, tu connais la vraie page Réseau International. Tu connais ça déjà? Donc, nous, quand on a contacté Facebook, Facebook dit de vous dire, quand quelqu'un vous contacte là, la photo là, où ils ont mis ma photo, bien où ils ont mis la photo du révérend, ou bien notre photo à deux là, c'est la photo qu'il faut signaler. Parce que tout le monde peut s'appeler Olga, tout le monde peut s'appeler CK, tout le monde peut s'appeler Réseau. Donc, si tu t'as signalé la page, on ne peut pas fermer la page. Mais si tu signales la photo, parce que la photo qu'elle a là, ce n'est pas la personne. Pourquoi il a pris cette photo? Ça veut dire qu'il veut escroquer. Il veut escroquer parce que ce n'est pas son visage. Pourquoi tu prends la photo de la dame pour venir mettre sur ta page? Parce que tu veux escroquer ses abonnés. Quand ils vont voir sa photo, on dit, c'est elle. C'est pour ça que tu as mis la photo. Donc, vous cliquez sur la photo et il y a des choses qui vont sortir. Il y en a où ils ont écrit signaler. Vous cliquez sur signaler. Donc, quand chacun de vous, vous qui avez été contacté, là, dès qu'on te contacte, tu vas, tu cliques sur la page qui t'a contacté où il y a ma photo là. Tu cliques dessus, tu signales. Dès que la personne te contacte, tu cliques sur la page où il y a ma photo, là, tu signales. Quand plusieurs personnes ont commencé à signaler la photo, Facebook va se pencher dessus pour dire, mais attends, c'est vrai, ce n'est pas le visage de cette dame, ce n'est pas elle, cette page. Ils vont bloquer la page parce que pourquoi tu as pris la photo de quelqu'un d'autre? Tu es un usurpateur. C'est ça que vous devez faire. Et quand vous finissez de signaler, vous bloquez. Vous signalez, vous bloquez. Restons sur le chemin, hein, suivons-nous, hein, suivons-nous. Il y a beaucoup de serviteurs du diable qui cherchent les âmes innocentes pour les escroquer, pour leur faire des initiations. Il y a une personne là, ils l'ont contacté, ils lui ont dit, achète de l'huile, achète du sel, achète je ne sais pas quoi encore. Et c'est quand elle a fini d'acheter tout, elle a fait la photo, maintenant elle nous a envoyé ça sur notre WhatsApp. J'ai acheté ce que votre staff a dit d'acheter. Il dit, mais quel staff? Non, voici leur numéro, ils m'ont dit que c'est vous, vous êtes, ils sont votre staff. J'ai dit, mais vous suivez nos enseignements tous les jours là. Vous croyez que nous, on peut dire à quelqu'un, achète de l'huile, achète du sel, ça vous fait ça ou bien? Hein? Oh, vous écoutez nos enseignements tous les jours. C'est prier comme ça, nous on va te faire. Et on dit à partir de minuit, ils vont prier pour elle. C'est pour t'initier, vous allez prendre les démons. Après, vous allez dire que non, ils ont dit qu'ils sont le staff de Mme Seka. N'importe qui peut se lever pour dire que je suis telle personne. Et ne vous laissez pas grainer dans les choses. Hein? Il y a beaucoup de choses sur les réseaux. Hein? Les serviteurs du diable, ils n'ont plus de clients. Donc ils sortent maintenant, ils vont vers. N'importe qui se lève, il crée une page, il met la photo de tel homme de Dieu qui est connu. Juste pour pouvoir fatiguer le peuple de Dieu. C'est pas à nous seuls. C'est tous ceux qui sont connus, c'est comme ça que les gens ils font. Et ils escroquent les gens. Nous, chaque fois qu'on veut lancer l'appel,
Pour dire de soutenir l'œuvre de Dieu, on le fait à visage découvert, on fait dans les vidéos, vous voyez très bien. Non, pas passer une box, aller contacter chacun de vous si quelqu'un le fait là. Ça veut dire que ce n'est pas nous. Pour nous, on dit ça ouvertement. Et quand on vous dit comme ça, on vous donne les numéros et les contacts. On dit à 0033 7 51 25 16, enregistrez, écrivez-nous sur WhatsApp. Et on vous dit, vous venez sur le réseau, là, vous cliquez sur contacter, vous nous écrivez. C'est quand vous nous écrivez que nous, on vous répond. Nous, on ne s'élève pas pour rien comme ça pour vous écrire. Non, si quelqu'un pour rien comme ça vous écrit, c'est pas nous. Si tu vois qu'on t'a écrit, c'est que tu nous avais écrit et on te répond. Et puis aussi, dès l'instant où quelqu'un vous contacte disant que c'est nous là, il faut en même temps faire la photo de la page. Vous nous envoyez ça, vous demandez, est-ce que c'est vous? Voilà, faites ça aussi. Est-ce que c'est vous? Comme ça, nous, on va vous confirmer. Amen. Il faut qu'on forme un. Ne vous laissez pas entraîner ailleurs, hors de la bergerie du Seigneur. Attention, il y a des loups ravisseurs. Signalez et bloquez. Signalez et bloquez. Amen.